Bonjour, c'est Tanguy de la chaîne YouTube Direct Style. Aujourd'hui, je vous présente le tweet Lock Widget qui va vous permettre d'avoir vos widgets sur la page de votre lock screen directement. Donc, ce tweet est gratuit sur la source de Connor the Dev qui s'affiche actuellement à l'écran ainsi que dans la description de la vidéo. Une fois que vous l'avez installé, il possède des réglages. En se rendant dans les réglages, Lock Widget, pour l'activer, il faut mettre Enable. Là, vous choisissez soit horizontal ou vertical. Moi, je préfère comme ça. Ou vous avez une option pour montrer l'indicateur quand vous voulez changer de widget. Et là, vous pouvez sélectionner les widgets que vous voulez afficher. Donc moi, par exemple, je vais mettre musique, la bourse et la météo. Et à venir, ou par exemple, podcast. Et la batterie, c'est cool de savoir la batterie. Si vous avez par exemple des AirPods connectés. Donc une fois que vous avez fait tout ça, il faut faire un respring de votre appareil. Une fois le respring effectué, là vous voyez que j'ai le widget qui indique la batterie de mon iPhone ainsi que de mes AirPods. Et là je peux scroll avec la musique. Bon là j'en ai aucune que j'ai écoutez récemment, c'est pour cela, la bourse est hors ligne, ok, la météo, ainsi que mes podcasts. Vous pouvez ajouter même des widgets des applications de l'App Store comme l'équipe, comme ça vous pourrez suivre directement les matchs de vos équipes favorites. Évidemment, vous avez toujours la possibilité de voir vos widgets comme ça, mais c'est toujours sympa d'avoir directement tout accessible. C'était Tanguy de la chaîne Direct Style. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez !